réunion des hommes de Dieu, j'ai rencontre avec les hommes de Dieu, mais elle n'aura plus lieu à Etoamechi. Elle aura lieu à Ibogo 1, à Essoa ici. Donc, parce que l'espace est plus vaste et pour que les mesures barrières puissent être respectées. Voilà, donc on doit mettre les mesures barrières. Etoamechi sera petit. Donc, tous les hommes de Dieu, je vous en prie, l'église après le COVID-19, il y a les secrets, il y a des choses qui vont se passer différemment. Et tu dois savoir, parce qu'après, ne te plains pas que non, mon église n'est pas à jour, ou bien après le COVID, mon église s'est vidée. Je n'arrive pas à retrouver le niveau que j'avais avant. S'il te plaît, le monde ne sera pas le même. Les hommes ne seront plus les mêmes et la dispensation aura changé. Donc, viens prendre ce secret. Du 2 au 4 juillet prochain, nous avons deux sessions. Le matin, 9h, 12h et le soir, 16h, à partir de 16h. Ça sera trois jours terribles. 2, 3, 4. Ne manque pas. Enseignement profond, puissant. Dans tous les cas, vous connaissez. Non, rencontre des hommes de Dieu. C'est pour les grands, c'est pas pour les enfants. C'est-à-dire que là, c'est l'os que nous vous partageons. On vous partage les mystères du ministère. Donc, viens devenir un père. Viens devenir grand. Viens devenir un bon berger pour le troupeau que le Seigneur t'a échu en partage. Ce sera à Ibogo 1. Yaoundé, Ibogo 1. Ce n'est plus à toi, mais qui. Ça sera du 2 au 4 à Ibogo 1. Grande conférence des hommes de Dieu. Donc, si tu es un homme de Dieu, tu crois en ce ministère que Dieu m'a donné, en cette provision et en cette vision, et tu veux connecter ton ministère à cette grâce, s'il te plaît, viens. Si tu penses que nous sommes de la même famille prophétique, ne manque pas, dans tous les cas. J'ai dit à tous mes fils d'être là, même si vous avez quel programme dans vos églises, annulez ça, s'il vous plaît, parce que c'est important. Vaut mieux commencer avec de bonnes bases et avec la connaissance requise que d'aller à l'aveuglette et après être coincé devant. L'église, c'est l'ordre. L'église, c'est la discipline. L'église, c'est les révélations et les secrets. La Bible dit, s'il te révélait son secret. Donc, je suis très honoré de vous avoir. Vous êtes au Cameroun, dans n'importe quelle province, s'il vous plaît, voyagez pour Yaoundé, du 2 au 4 juillet. Calez ça. Laissez vos pasteurs résidents autour de vous. Si c'est possible, venez avec vos collaborateurs les plus proches, ceux sur qui vous comptez pour baser votre ministère, parce que eux aussi seront touchés par cette conférence. Donc venez s'il vous plaît, il y a quelque chose que Dieu veut déposer dans votre cœur. Et pendant que vous le faites, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Du 2 au 4 à l'église Rema Mission de Bogo 1. Et Bogo 1, quand vous prenez les cartes qui vont à Soa, dites simplement Carrefour Rema à Bogo 1. On va vous laisser à l'entrée de l'église. Il y aura un comité main sur place pour vous retenir, pour vous accueillir. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.